Coucou tout le monde, c'est la ZDF, donc on se retrouve pour le deuxième épisode de ce petit test de l'alpha de Destiny sur PS4. Donc je suis toujours en compagnie de Yoda. Yo! Qui est toujours en train de bouffer. Putain. Et donc voilà, on a débloqué une amélioration a priori, donc option pour ouvrir le menu. On a débloqué, c'est quoi? Ouais, Abyssal, ça doit être ça. Ah non, c'est les casques aussi. On a débloqué une amélioration sur le casque. Voix Abyssal aussi, c'est pas voilà. Mal. Et voix Abyssal. Une grenade à vortex. On peut l'améliorer en fait, voilà. Donc on a un arbre de compétences, encore une fois. Gain d'énergie. Drain d'énergie. Nanana. Mais j'ai l'impression que ça. Ah, voilà, celle-là, elle a été acquise. Automatiquement. Et ça s'améliore automatiquement, voilà. Ouais. Il y a juste à les sélectionner une fois qu'elles ont été acquises. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir un arbre de compétences, je trouve ça plutôt cool. Et casque, je pense qu'après on va avoir plusieurs choix de casque, d'armes, etc. Ouais, t'as les casques en fait qui... C'est vrai qu'ils ont plus ou moins de défense à mon avis. Alors il y a un casque qu'on peut démanteler. Du coup là j'ai choisi la destination, je sais pas ce que je dois faire. Navigateur, hein? Oui. Qu'est-ce que t'as la planète Terre? Et comme je suis curieuse, ben, j'ai bien envie de le démanteler. On verra bien ce que ça va donner. Ça se trouve, je vais le ruiner, en fait. Mais tant pis. Vaut mieux le faire dans l'alpha que dans le jeu officiel. Et voilà, je l'ai ruiné, en fait. Donc au moins, je saurais. Du coup, je reste équipée du casque de base, mais c'est pas grave. Donc ne faites pas démanteler, hein, tout simplement. Ça vire votre équipement. Là, j'en suis déjà équipée. Sur choisir la destination. Fusil à fusion. On va équiper celui-là. Fusil d'éclaireur. Donc là, on a un fusil automatique. Tac tac. Portée de l'arme. Stabilité. Ah, on va garder celui-là. Il est carrément mieux. Ensuite, on peut descendre. Donc les spectres, c'est ce qu'on envoie. Donc ça, pour l'instant, j'en ai qu'un. Ok. Donc pour moi, c'est bon. On est encore dans la même partie ou faut qu'on se réinvite? On se réinvite, quoi. Attends, mais moi j'ai un truc, c'est choisir la destination. T'étais dans où, toi? Bah j'ai ça aussi, mais pour l'instant j'ai rien choisi. Je peux rien choisir là. Et donc choisir la destination, si, faut se mettre sur la Terre, je crois. Sélectionner. En fait, t'as deux trucs, t'as la tour ou la Terre. Là c'est bon, ça bouge pour moi. Ou alors... l'épreuve. Exercez vos talents et remportez la gloire en affrontant d'autres gardiens. Le berceau de l'humanité, cimetière de nos gloires passées, ce monde est désormais à reconquérir. Vous voyez des gardiens où vous pouvez récupérer vous réarmer, nanana. Donc ça, en gros, la tour, c'est notre QG. La tour, c'est ce qu'on a déjà fait, non? C'est ce qu'on vient de faire. Tu vois, il y a un petit 1. Attends, il y a deux petits bonhommes à côté. On l'a fait en coop. Deux amis ici. Ah, ou c'est qu'on a deux... deux potes à nous qui sont là en fait. Donc là en gros on est sur du multi moitié. Attends, nous on a fait la terre, je crois. Viens, on va sur la tour, on va voir. Vas-y. C'est sûr qu'on a fait la terre. Ancienne Russie, berceau de l'humanité. On est sur la tour. Lancement dans 2 secondes. Vas-y, on va tester. Alors soit c'est parce qu'on a deux potes qui seraient éventuellement en train de jouer, je vais regarder vite fait. Dans quoi? Ami. Il y a Elneris qui est sur la Terre. Triple Bob qui est sur la Terre, ça doit être eux en fait. Sur la tour plutôt. Donc Alpha, Terre, Social. Bonne question. On va voir. Les chargements là en fait avec le... Ah non, c'est que tu fais le voyage entre les deux en vaisseau. Ouais. C'est une cinématique. Ah ouais. C'est ça, une petite cinématique quand t'arrives dans la game. Ça va, j'espère que c'est un truc. Après, mm-hmm. Dans le jeu définitif qu'on pourra passer, tu vois. Bah là pour l'instant, on peut pas... Alors, en fait, ça permet sûrement de charger le jeu en même temps, mais... Ça va, c'est pas trop long, quoi. Non, c'est... Oh là.
T'es arrivé toi déjà là? Ouais. Mais attends, je vais t'inviter, je crois. Le problème, c'est qu'il peut manger tout à l'heure. Oh, y'a du monde! Ah, voilà. Et il faut aller voir un truc quand t'arrives sur la tour. T'as des trucs à récupérer. Ah, commis des postes, truc. Ouais. Message en fait ça. Merci de nous aider à tester. Il nous remercie carrément de jouer à Destiny. Moi, je remercie. Je remercie de m'avoir envoyé un code. Ça sort. Je rejoins. Je pense qu'il va paraître au début, donc je reste au début. Donc en fait, c'est qu'un jeu basé sur du multi, il n'y a pas de campagne ou c'est parce que. Sur la tour, on ne peut pas voler en fait. Il y a une planète énorme là-bas, je pense. C'est parce que c'est l'alpha qu'il n'y a pas de campagne, c'est ça? Eh bien en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est genre un mode campagne, hein, mais on le peut faire en coop. Et je pense qu'après, en fait, tu sais, t'as vu, il y avait trois trucs. Donc là, il y a la tour, je pense que c'est une sorte de QG où tu peux récupérer des trucs. Mm-hmm. Après, il y a le mode de jeu qu'on a fait avant, je pense. Dans l'alpha, hein, pour le moment. Et après, il y a un mode multijoueur où tu joues contre d'autres mecs en ligne. C'est pas mal. Ici, là, sur ce mode, dans l'endroit où on est, on peut pas prendre nos armes ni rien en main. On peut en fait, voler. Le prochain E3, c'est au mois de juin 2015. On y va? T'as dit quoi? Le prochain E3, c'est en juin 2015. On y va? Ah non, mais le 3, tu peux pas rentrer comme ça. Hein. On peut pas y aller en tant que public? Non, non, tu peux pas, je crois pas. Hein. Sérieux? Ouais, il me semble que... Ah, je suis déçu. Coucou. Attends, bien, faut... En fait, regarde mes cheveux. Présentez-vous à l'avant-garde. C'est où l'avant-garde? Je sais pas. Welcome, Guardian. Oh. Ah, c'est là. Ah, c'est le milieu, marqueur. Le droit. Il courait, il se souvient quand il courait personne. Il y a le truc vert en fait aussi, tu l'as? Ouais. Ah, les types, ils arrivent. Alors, bienvenue, choisissez une récompense. Oh, j'ai une tenue. What do you need? Sérieux? Cool. Force plus 10. Not yet. Non, pareil, je l'ai. Une plus 9, intelligence plus 6. Vas-y, je prends. Alors, un casque, brûleur mystique, nani nana, force plus 10. Armure en d'arcaniste. Acquérir. Le niveau 5. Ah ouais! Vas-y, c'est quoi? J'ai gardé mes points, mais en fait, c'est que tu peux revenir pour acheter du matos en fait. Ouais. Les trucs. Le niveau 5, le niveau 6. Montant de niveau pour les avoir. Ah, vite, c'est quoi? Je vais rien prendre, je crois. J'ai gardé mes points, moi. Donc là, j'ai une nouvelle armure. Je vais pouvoir équiper. Armure de l'avant-garde, niveau 20? Non, il y a des armures de ouf. Pourquoi ça ne met pas? Ah si, ça ne met, je suis con. T'as pris l'armure de torse? Une étoffe kaki là, non? Je sais pas ce que j'ai. Bracelet de potentiel, bracelet de contrôle. Ah, j'ai changé moi. Je suis en bleu maintenant. Un peu. Pour impeccable, c'est comme ça. Ah, on garde des titans.
L'armurier. Oh, armure de titan. Nécessite classe des titans. Eh, hey, y'a des armures de ouf. Ah ouais, en fait, voilà. Nous, on est... Y'a les chasseurs, les titans, et les arcanistes. On a pris arcanistes, les deux, en fait. Y'a un autre logo, là-haut, t'as vu? Il faut lui parler à elle. Attends, y'a peut-être d'autres fringues. Non, mais y'a plus bas, mais faut passer les niveaux, en fait. Voilà, je crois que j'ai acheté un truc. Passer des niveaux, après. En fait, le lumen, ce qu'on a récupéré, ça sert à acheter des vêtements. Enfin, des vêtements, et les vêtements... Ils permettent d'améliorer certaines compétences, intelligence, autre chose, quoi. Ah, j'aime bien comment c'est fait. Défense. On y va, on continue, il y a un truc. L'armurier de la tour peut vous proposer des meilleures armes. Ah, il y a un mec qui propose des armes dans la tour. Moi, j'ai des trucs, mais en fait, je suis teubé parce que je peux pas les utiliser. Nécessite le niveau 5. Ah, tu les as achetés déjà? Ouais, je crois que, en fait, quand tu fais croix directement, tu les achètes. Bah bon, non. Je suis au niveau 5 dans pas longtemps. Pas moi non plus. Après, je vois, il y en a niveau 20. Ouais, mais niveau 20, j'ai le temps de me refaire encore. Voilà, donc il y a des épreuves que tu peux faire, jambes, mais il faut avoir du niveau, quoi. Bracelet. C'est quoi, lui, tout seul dans son coin? Armure de jambes. Destiny. Ça va? Oui, ouais. On est sur Destiny, tout va bien. C'est cool, moi je vais aller sur Watch Dogs. Et comment Une tuerie le jeu, gros. Ah ouais. Il est bon. Hein? Oh, ah, bon, voilà, il est là. Vas-y, moi je vais aller voir les armes. Il y a quelqu'un à aborder à l'étage aux armes. Ah bah c'est là, je suis là. Tu te vends pas trop toi, parce que son Yoda tu l'aurais pas, il a mis à télécharger avant que... Avant oui, de dormir hier soir. Je me suis un petit peu endormi en un fait. Un petit peu, ouais. Je sais pas où pour y aller. Pour sortir complètement. Ouais, mais je sais pas ce que... Je me suis allongé une minute, je me suis dit, ouais, je m'allonge un peu. Et je sais pas, et moi j'ai rien compris. Toujours ça, hein. Quand tu te réveilles le matin, bon, encore une minute. Là, tu te réveilles une demi-heure plus tard, tu te rends compte que t'aurais pas dû. Alors, choisissez une arme. N'importe laquelle. Vous avez fini le taf tous les deux et tout, là? Ouais. Mm-hmm. Oh, le glandu. Ouais, on est bien. Cadence de tir 180. Oh, franchement, la troisième, elle est pas mal, hein. Il y en a une à 450. J'aimerais bien jouer à la play, mais j'ai perdu ma manette, quoi. 450, c'est quoi? Cadence de tir. Ouais, mais moi, je m'en fous de la cadence de tir, en vrai. Bon, je vais chercher ma manette, je reviens. Je sais pas, moi, j'ai pris. Ravitaillement... De quel connard est-ce que tu as? Oh, il y a plein d'armes, après. Oh, niveau 5. Oh, il y a plein d'armes. J'ai même plus assez de thunes pour les acheter. J'ai tout claqué. Putain, je suis trop con. Et après, à chaque fois, il faut équiper ton truc. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais des doigts de femme. Du coup. J'ai pris la mesure de mes doigts et puis j'ai des doigts de femme. Ah, ça va. Ah, c'est mortel, tu peux acheter tes armes et tout. Putain. J'ai des doigts super fins. Du coup, c'est galère pour trouver une bague. J'ai du 50 pistolets. J'ai dit, t'es où toi? Moi, bah, j'attends pour la suite là. T'es où? Ah, c'est là-bas pour le truc blanc, t'es où? Bah non, attends. Si, c'est là-bas, 51 mètres. Pour rentrer par là, je pense. Ok, bah les amis, on va lancer une petite mission. On va essayer de... Ouais, pas d'avancer en multi ou... Non, on capture pour une vidéo. Putain, je... T'as remarqué qu'il y a toujours un vieux mec qui est là en train de balayer, qui est tout maigre et tout, le pauvre. T'as remarqué qu'à chaque fois que vous enregistrez, je suis en train de dire un truc personnel sur moi, que forcément, j'ai pas envie de tout YouTube. YouTube te connaît pas, tu t'en fous. Ouais, mais bon, je viens de déclarer que j'avais des doigts. YouTube nous connaît pas non plus. En fait, t'as pas vu le petit bouton rouge à droite de moi? Mais moi, je suis sur télé. Ah, c'est... À propos de Coel. Votre vaisseau est prêt à voler. Vaisseau interstellaire de classe, gna gna gna. Eh ben, bonjour, genre de la vidéo. Vas-y, mais on sait rien, donc comment on fait ça, là? On prend lequel? Moi, j'ai pris celui de gauche. Ok. Pour l'équiper ou quoi? Tu fais quoi, pitié? Parti prendre une douche. Ah ouais, prendre une douche, ouais, un truc comme ça. Alors... Attends, faut que je retourne la voir en fait. Bah, j'en sais rien. Une fois qu'on fait ça, on fait comment pour équiper le vaisseau? Ah, voilà. Ouais, faut prendre les deux trucs. Mm-hmm. T'as réussi à équiper le vaisseau? Bah, dans options. Ouais. Et tu.
Équipe ton vaisseau dans l'inventaire, ouais, si besoin. Mais y'a pas dans l'inventaire. C'est open world, c'est une grande map ou pas? Y'a plein, ouais, tu peux te balader en fait entre la lune, la terre, des trucs comme ça. Et franchement, c'est super bien fait. Ouais, il est beau. Ouais. Il est beau, il est super beau. Oh, t'as été où toi dans le truc? Ah, il y a 15 missions, je crois, tout là dans la. Ah non, il y a 10 missions, je crois, dans l'alpha. Ça fait pas penser à du Star Wars. Bah, en fait, si, un peu. Non, un mélange de MMO, Halo, de en fait. FPS, un peu de Halo, de Star Wars, un peu de tout en fait. C'est vachement là, bien l'équipement. Fait. Ouais. Je me rappelle, c'est quand l'autre jour, je regardais une vidéo YouTube et il y avait la pub avant. Mm-hmm. Et je croyais que c'était la pub de Star Wars Battlefront 3 en fait. Et en fait, ils ont mis Destiny juste après. Ça faisait vraiment pareil quoi, t'avais des genres de pistolets laser qui lançaient des ouais, lasers c'est et ça, tout. Voilà, ouais. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Là t'as des boules de magie que tu peux lancer et tout. Ah, quand vous aurez fini à la tour, appuyez sur le truc, le pavé tactile et maintenez triangle. Attends, puis il y a un truc mortel, c'est que tu peux personnaliser les fringues de ton personnage, les coupes de cheveux et tout. Hein. C'est pas mortel. Ouais. C'est bien ici. Truc mortel, tu peux l'habiller. Non, dit. Bon, choisir la destination. Vamos a la playa. On va j'ai sur vu, la terre. Ouais, voilà. J'ai vu. Ah bah, c'est là qu'il y a toutes les. Dans la terre, il y a trop de trucs. Alors, le repère du diable. On a fait quoi nous avant? Le cosmodrome, c'est ce qu'on a fait. Vous allez dans les ténèbres intérieures. Allez, go, on fait ça. Histoire de niveau 3. Attends, histoire de niveau 3. Histoire de niveau 6, l'autre. Ouais, vas-y, on fait le niveau 3. Allez. Moins 10% armure pour un jeu au niveau normal. Ah, tu perds le. Ah non, du coup. Bip. Il y a des reports que le fallen back at the Cosmodrome is keeping a pretty tight guard on the old Skywatch. Could be one of their leaders, or it could be vraiment, something je pense valuable. Que ce jeu-là, il va faire un carnage. Il va faire un carton. C'est vraiment bien fait. C'est un peu chiant les cinématiques de temps de chargement. Ouais, mais. T'as envie de les passer en fait. Après, c'est une alpha, je sais pas, ouais, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir piloter un vaisseau. C'est ce qu'on a fait, ça. Ok, le Skywatch est juste sur l'autre côté des steps. Et c'est surrounded by fallen. Tu peux pas m'inviter. Well, pour m'inviter, tu I'm fais option. Et tu vas dans la liste des joueurs, tu fais croix sur mon nom et tu fais inviter. Oh, j'entends les bruits. Non, c'est pas ce qu'on a fait, hein. Ok, je me mets à couvert. Non, je suis pas à couvert du tout, là. On a fait. Option. Oh, là, on va le défoncer. Mais attends, je peux pas t'inviter en faisant option. C'est option. Répertoire. Et avec R1, là. Je sur mon nom. Ça, c'est pas ça. Aller les. Bah, moi quand je fais option, j'ai invoqué le véhicule ou aller en orbite. Ah, ça y est. Et peut-être tu peux me rejoindre aussi. Tu peux m'inviter là? Ouais, là, c'est bon. Il y a un vaisseau qui est passé juste derrière ma gueule. C'est pas mal quand même. You know this place must have been amazing before the collapse. Thousands on a of fait, humans boarding the colony ships,
off to build cities beyond. And now the Fallen. Je me demande où sont les limites de la map. Ouais, tu pourras pas aller partout, je pense pas. Pas dans... Dans Halo, tu pouvais pas aller partout, je crois pas. Après là, ouais, ce jeu il a été fait par les mecs qui ont fait Halo et Code 4, je crois. T'as rejoint là? Ouais. Ouais, je te vois, t'es loin. Ah, y'a un autre mec. The building with the radar. Ouais, y'a un autre mec. Bad ouais, Skywatch. Ouais, je l'ai vu. On est tous niveau 4. Oh là là. Oh le bâtard, il a foutu le bordel. Il s'est barré comme une pute. Il y a Python aussi. À mon avis, c'est un open world quand même. Il y a pas mal de monde qui se balade. La map, elle est immense. Bah, en tout cas, moi, il y a un mec qui foutait le bordel. Parce que derrière lui, il y avait plein d'ennemis. C'est où? C'est dans ma direction, là. Hein, sur ta gauche, un peu. Ah, mais toi, t'es dans le sous-sol. C'est dans un sous-sol, non? Ah, je te voyais pas. Ah, t'as vu, moi non plus, je te voyais pas, je peux apparaître après. Ok, oh, c'est normal alors. Oh, Python, il est mort, je crois. Ah non, mais il est dans le mal. Ah mais y'a des ennemis non? T'es où? C'est avec le gars là. Y'a des ennemis mais pas assez, j'ai l'impression qu'on croise plus d'ennemis. Ah mais y'a des endroits où ça doit être Bagdad je pense. C'est le début du jeu hein, on vient juste de... En fait t'as des niveaux, t'as vu, t'as des missions par niveau. Ah je savais que j'avais entendu du bruit de putain, ils étaient planqués les tis. Ah c'est beau ça. Mais voilà. Ah il y en a là-bas. Vous faites pourrir. Quoi? Vous nous entendez. Ouais. C'est bon non. Non mais bah, tu... Tu vois quand tu te regardes la vidéo. Ouais. Ouais non je les regarde pas quoi. Oh bah ouais c'est sympa. Mais je rigole. Oh il est génial. Il est génial ce jeu, il est génial. Graphiquement il est juste, il est magique, on est un peu dans un espèce de monde déchu mais futuriste, c'est super bien. J'ai dit que les deux ennemis derrière elle. C'est bien ce que j'ai. J'ai coupé le micro, deux secondes, il y avait un train. Tu t'en sors? Il est où là-dedans? Ouais. Dans la grotte, y'a du monde aussi là. Ah non. Et où les dit? Faut qu'on aille vers la flèche blanche. Rendez-vous au relais cosmique. Ouais, viens, on y va. Mais le relais cosmique, c'est là où on était dans la première partie, non? Ouais, mais je sais pas, ça a pas l'air d'être le même truc là, si. Bonne question. Donc on était dans un truc comme ça tout à l'heure. T'as essayé le fusil à pompe aussi, il est pas mal hein. Ouais, je l'ai testé, ouais. Et y'a un ennemi derrière.
Les bâtards, ils sont deux. Oh, fusil à pompe. Ils m'ont mis dans le mal. Plus de balles. Les musiques du jeu, elles sont sublimes. Et je crois que c'est un jeu qui a coûté 500 millions de dollars au développement. Ouais. Ouais. Ça va. T'es sérieux là? Ouais. 500 milliards, mais c'est sur 10 ans en fait, je crois, parce qu'ils vont sortir d'autres. Non, c'est ceux qui ont fait Code 4. Ils sont dessus. Et allô? Non, on est pas sûr déjà, on l'a fait lui, le capitaine déchu là. En fait, on a relancé la même map qu'avant. Ça te dit qu'on quitte et qu'on trouve un endroit qu'on a pas fait. Retour en orbite. Bien, retour en orbite, hein. On va aller sur Terre, mais dans un autre truc. Niveau ouais. 4, du coup, c'est celui qu'on a pas dû faire. 4 ou 5. Alors, la Terre. Alors, tac, relais cosmique, Attends, là, on a pris quoi, là? On a commencé par relais cosmique. On peut continuer en faisant explorer le cosmodrome. Il est où, relais cosmique? Je vois même pas. Je vais t'inviter. C'est gentil. Ah non, mais je suis avec toi. Ah bon? Ouais. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça, là. Là, tu veux que je te dise un truc? Ouais. Je suis intéressé. Sur mon jeu de merde, comme tu dis. Ouais. J'ai 120 de jeu. 120 quoi? 124. J'ai pas compris. 124 heures. Il bug à mort. Waouh, 124 heures de jeu. Je bug? Un coup sur deux. Attends, je me mute pour la vidéo. Vas-y. 124 heures de jeu, c'est énorme ça. Oui. Mais c'est ça qu'on a fait tout à l'heure, non? All right. Ils ressemblent tous en fait, les décors, ils sont tous au même endroit au début. Hein. Est-ce que tu dois marcher plus ou moins longtemps en fait? Guardians have been planting beacons here to connect back to the tower. We find them. We can help the city. I'm already detecting a few. Oh! Oh là, ma fusion, elle est canon! D'où on doit aller? Je ne sais pas où il faut aller. Attends, il y avait un carré là, c'est quoi? Là, il m'a donné une mission ici. Ok. Ouais, non, c'est là-bas. This one's a research assignment. Ouais, derrière, tu l'as vu, non? We need your light. Donc, tu trouves des missions comme ça? Oh, c'est pas mal. Ah, oh là. Oh là, y'a des mecs vénères là, non? Faut des trucs où je porte ou pas, toi? Hey, y'a un énorme vaisseau qui nous attaque! Ah, il a disparu. Ça, c'est énorme. On va dans la grotte? On y va. Et on peut pas se baisser? Ça a mangé?
Dommage ça. Bon, dommage, oui, non. Tu vas vers la... tu vas vers le truc blanc là-bas? Ouais. Ah, y'a un mec qui est dans un vaisseau. Non, on peut se mettre dans des vaisseaux en fait là. Non, bah, je vais l'équiper direct. Un mec qui se promène dans un vaisseau, s'il te plaît. Là, tu te vois dans un vaisseau là? Non, attends, je vais l'équiper, je vais l'équiper. Ouais, c'est la même map en fait, la Terre. Ah ouais, c'est juste qu'il y a les missions différentes. Je sais pas comment l'équiper par contre après. Non, quoi, fais les flèches directionnelles. Attends, je teste. Et il danse, fais flèche de droite, il danse le bonhomme. Oh, trop cool! Pas comment on sort le vaisseau par contre. C'est équipé mais... Tu peux te baisser avec rond. Pas t'allonger par contre. Ouais, j'ai trouvé une cascade. C'est one shot le truc. T'es où? Où je suis? Franchement j'en sais rien, je défends une rivière. C'est de l'autre côté de la montagne. Pas bien ouais. La grotte elle était là non? Parti où toi? Je sais pas comment. Il y a moyen de monter je pense. Non, ah, on peut pas. Ça fait comment? Oh on était plus grand. Ah non, tu vois, on peut pas. Bon, on fait demi-tour, on va à la grotte. Pourquoi j'ai passé plein les heures sur ce jeu, quoi, il va sortir. Bah même, déjà, en open world, il est sympa, tu vois. T'as des trucs à visiter. La grotte, elle est où? Elle est en haut, en fait, non? Je crois qu'il faut contourner tout ça et qu'elle est derrière, là, par là, là. Il y a moyen d'équiper le vaisseau, il y a un mec qui passe en vaisseau à côté de moi. Olé. Oh là là là. Elle doit être au-dessus la grotte en fait. Mais comment y aller? Oh là en dessous, bah elle est là. Ah oui, en effet. C'est une histoire. Ah, ils repopent les ennemis directs. Ah par là peut-être, là il y a un grand trou. Bon, en bas là c'est quoi ça là-dedans? C'est pas ça.
prendre le but, hein, le coup là-dedans. Graines des éléments. J'ai ouvert un coffre, il y avait des graines des éléments. Collecter des feuilles métallifières. Je veux dire, il y a trop de trucs à ramasser en fait. Pourtant, ça me semble évident que cette plateforme elle aide à y aller, mais. Y'a pas de problème. Il est pas à y aller plutôt par contre. Cette plateforme là Oui. Ouais, elle aide à y aller. Oh! What is that? Oh, let's go. What? What the fuck? Ouais, voilà, mission terminée. Great work. Ikora will be grateful. Ah, il y a un truc là-bas, 45 secondes. Vas-y, on y va. Cours. Go, pas le truc orange. Le mec il y va aussi, je crois, non? Ah, le bâtard. Oh, what? Il a disparu. Pardon. Qu'est-ce que c'est là-bas là? C'est un vaisseau moitié. Ah, vous êtes où? Alright, here we go. Non? Viens, comme toi moi. Vous rejoignez les trucs multijoueurs là. Téléportation du Warcraft. Ouais. Bon, pas le temps qui. 23, 22, 24. Faut le protéger le truc. Bon, t'es mine, ça part vite aussi là. Putain. Il y a un bâtard, il y a un bâtard. Mince, il est parti. Seems to be working. Keep it up. Quoi ça, y a un mec qui vole ou quoi? What? T'avais des trucs d'où? Ah, la boule de feu, elle fait mal au tout ça. Je suis mort. Pas un peu de merde, alors rien pareil. C'est où? Ah, je suis rapporté trop loin. Ah non. Don't give up. Ah, y'a un œil. Est-ce que t'as vu l'œil violet? T'as vu? Ouais, je suis dessus. Il est éclaté, je crois. Oh là là. J'ai vu l'autre. Il a éclaté le truc. Ouais, il fait trop mal. Ah, je peux te réanimer? Ah merde. Je peux réanimer les collègues en fait, il faut se dépêcher.
te déterre. Ouais, je me suis vengé. Je suis bien dans le rouge par contre. We've almost got this. Le vaisseau il revient. En fait, il y a des petites missions comme ça aléatoires dans la map. Il est d'or à toi. Tu veux toi aussi? On n'a pas été téléporté? On aurait dû être téléporté, on ne l'a pas été, on n'était pas assez près du truc. Oh la musique! Oh dommage! On devait faire quoi? On aurait dû se faire téléporter là! Ouais! Yo! On doit faire quoi là? Bah j'en sais rien! Oula! J'en sais rien du tout, mais ça fait déjà 48 minutes de vidéo pour ce deuxième épisode, donc je vais le couper. Et on va essayer de trouver une petite mission avant de lancer un petit truc sympa, je sais pas, un live ou une troisième vidéo. On va essayer de trouver un truc cool à faire parce que là on est un peu perdu dans l'alpha. Mmh. Wouhou! A tout à l'heure les amis, bisous! Bisous! Bisous!